Cinéma. Retour sur les coups de cœur cinématographiques de 2013. L'année 2013 fut faste pour la production cinématographique internationale et notamment marquée par la sortie de quelques blockbusters et films d'auteurs captivants dont le JT du showbiz vous propose un florilège. Twelve Years a Slave, les brûlures de l'esclavage à l'écran. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, lived with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped, sold into slavery. New York, 1841. Les États-Unis, quelques années avant la guerre de sécession. Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l'État de New York, est enlevé et vendu comme esclave. Face à la cruauté d'un propriétaire de plantation de coton de Louisiane, il est réduit à y travailler comme une bête de somme et à se battre pour rester en vie et garder sa dignité. 12 ans plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien dont la rencontre va changer sa vie. Ce film, réalisé par le cinéaste britannique Steve McQueen, bénéficie de critiques élogieuses qui en font l'un des événements cinématographiques les plus marquants du moment. I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. You have in the character of Ford. My great thanks, Master Ford. My thanks to you. Man does how he pleases with his property. Damn you! And then you have figures like Judge Turner, who is a sort of mysterious figure. What you earn is yours to keep. Fruitvale Station, film coup de poing produit par Forest Whitaker. 5, 4, 3, 2, 1, hey! Shot fired, Fruitvale. We need to try and get home. What is going on? Next stop, Fruitvale Station. You're gonna go to Frisco, right? See the fireworks? Yeah. Everything's changing around. Primé au festival de Sundance et Deauville et produit par Forest Whitaker, Fruitvale Station est un premier long métrage réalisé par Ryan Cooper, un jeune afro-américain de 26 ans. Le film relate la vraie histoire de Oscar Grant, un jeune afro-américain de 22 ans qui croise le 1er janvier 2009 au matin des agents de police dans la station de métro Fruitvale à San Francisco. Son destin prend le visage d'un drame qui avait suscité à l'époque de nombreuses manifestations et des émeutes, a poussé le jeune réalisateur Ryan Cooper à en faire un film. Séduit par le projet, l'acteur Forest Whitaker produit ce long métrage sous sa société de production. Un film poignant qui montre une nouvelle fois les relations compliquées établies entre la police et les Noirs américains. You guys got plans for the night? I meet up with the fellas, head out to the city. Why don't you take the train out there? That way you guys can hang out and not have to worry about anything. Hey, Oscar, how are you? I'm good, happy new year. Happy new Oscar? Year. Oscar from Pharmacia? Whitaker, voyage au cœur de l'histoire américaine. Je suis Cecil Gaines, le nouveau majordome. Vous n'entendez rien, vous ne voyez rien, vous vous contentez de servir. Il a eu cette place sans piston et c'est pas lui qui a appelé, c'est la Maison Blanche qui l'a contacté. Vas-y, je veux tout savoir. Tu ne risques pas d'apprendre grand-chose. Ils lui ont fait jurer de tout garder secret. Avec à l'affiche Forest Whitaker, Oprah Winfrey et Mariah Carey, Le Majordome est un film qui devrait abondamment faire parler de lui. À travers le regard de Cecil Gaines, il retrace l'évolution de la vie politique américaine et des relations entre communautés noires et blanches dans un pays déchiré par la question raciale. De l'assassinat du président Kennedy et de Martin Luther King, au mouvement des Black Panthers, de la guerre du Vietnam, au scandale du Watergate, les personnages vivent ces événements de l'intérieur
mais aussi en père de famille. Parmi eux, Forest Whitaker campe le rôle magistral d'un majordome qui, en travaillant à la Maison Blanche et voyant défiler sept présidents de la République, devient le témoin privilégié d'une histoire torturée. Les majordomes, sache que les domestiques noirs jouent un rôle important dans notre histoire. Il est en train de se passer des trucs importants, papa. Il y a un groupuscule de révoltés appelé le Black Power. J'ai donné ordre d'étouffer dans l'œuf ces fils de pute. Tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont te tuer. Ce pays nous traite comme des chiens. Si tu n'aimes pas le président, fiche le camp. Quoi? Dégage! Dégage de ma maison! Pardon, monsieur le majordome, je voulais pas me moquer de ton héros. Jamie Foxx, la folle épopée d'un président noir à la Maison Blanche. Affirmatif, on tient le président dans la bibliothèque. C'est une bibliothèque. N'entre pas. Ça, c'est vraiment débile. Venez, monsieur le président! Vite, vite! Vous devez mettre le président en sécurité. Il y a ma fille qui compte sur moi et je la laisserai pas tomber. L'acteur américain Jamie Foxx a le vent en poupe et enchaîne avec bonheur de nombreux films qui rencontrent un vif succès au box-office. White House Down est un thriller américain dans lequel deux agents des services secrets américains déjouent un coup d'état militaire contre le président des États-Unis que joue avec délice Jamie Foxx, qui affirme s'être longtemps physiquement et psychologiquement préparé pour interpréter ce rôle qui semble avoir été taillé sur mesure. Enquête. On bouge, on bouge! Vous êtes un pacifique, mais il va falloir vous en servir et faire un carton! Carrément. Je n'ai plus le lance-roquette. De quoi? Mais comment on peut paumer un lance-roquette? Ne bougez plus! Tirez! Ne t'en tirez pas! Denzel Washington, un acteur au sommet de son art. Combien tu dirais? 40 millions. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est une plaque dans ta main? Et stupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu savais qu'il était des forces spéciales? Arrête-toi! Je t'ai manqué! Ah hey, lâche-moi. Toi d'abord. Non, toi tu me lâches. La banque, c'était un piège. Il faut qu'on trouve à qui appartenait le fric. Ouais, ça veut dire bosser ensemble. Non, ça veut pas dire bosser ensemble. Deux agents des services secrets concurrents sont obligés de fuir ensemble sans qu'aucun ne sache que l'autre est un agent fédéral infiltré. C'est bien à contre-cœur que l'agent Bobby Trench de la DEA et le Navy SEAL Marcus Stickman ne se quittent pas d'une semelle depuis un an. Voilà donc le décor de la nouvelle intrigue qui met en scène le lumineux Denzel Washington qui, dans ce film d'action baptisé Two Guns, démontre avec classe et maestria sa parfaite maîtrise dans l'expression du jeu d'acteur dans des registres différents. C'est quoi ton plan? Je suis parfaitement capable de pondre un plan. Faut peut-être te manier. Yeah. C'était ça ton plan? Personne s'y attendait, t'aurais dû voir ta tête. T'es sûr que tu peux lui faire confiance? Fini de rigoler. Vous ai-je convenablement motivationné? Plus que vous le croyez. Fais pleuvoir. Tu fais partie de mon clan et il y a une règle. Tu te bats pour le mec qui se bat à tes côtés. Idriss Elba, l'acteur britannique, incarne la vie de Nelson Mandela. My name is Nelson Mandela. Winnie Madikizela, the first black social worker I've ever hired, and you are the most beautiful girl I've ever seen. Idriss Elba, le vent en poupe. Son dernier rôle à l'écran, le voit revêtir l'habit d'un héros planétaire. C'est en Afrique du Sud que quelques privilégiés ont pu découvrir les premières images d'un film très attendu. Winnie Mandela était au rendez-vous pour la première de ce nouveau film, évoquant la vie de son ancien et illustre époux Nelson Mandela. Long Walk to Freedom, un long chemin vers la liberté, est le dernier film du réalisateur britannique Justin Chadwick. Tenant le rôle principal, très ému lors de la présentation du film en Afrique du Sud à Johannesburg,
Idriss Elba a tenu à manifester son réel engagement dans la concrétisation de ce projet. Rappelons que ce film s'appuie sur l'autobiographie de Nelson Mandela, publiée après sa sortie de prison en février 1990, après 27 années passées dans les geôles du régime raciste de l'apartheid. Notons au passage que la France est le premier pays européen à présenter le film. Ça a été une route solitaire. Et ce n'est pas fini. Personne ne naît en haïssant son prochain à cause de la couleur de sa peau. Nous nous battrons pour notre liberté! Dernier avertissement! Il n'enfreigne aucune loi! L'homme apprend à haïr. La sentence sera la prison à perpétuité. On peut lui apprendre à aimer. Dans le monde entier, on a lancé une nouvelle campagne. Libérer Nelson Mandela. Les vôtres m'ont confisqué la moitié de ma vie. Ouvrez simplement les grilles et laissez-moi sortir.